Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer juste une astuce pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de crédit, pour être sûr déjà de perdre jamais de crédit, parce que dans l'achat ou vente, le pire c'est qu'il y ait une décote et qu'on perde de l'argent. Donc cette méthode, c'est sûr, vous ne perdrez jamais d'argent. Tout simplement, on va acheter des joueurs or à 300 crédits. En achetant à 300 crédits, au pire, si vous n'arrivez pas à les revendre 350, 400, voire plus, au pire, vous pourrez revendre en vente rapide à 304, 308, 312 en fonction de la note qu'ils ont. Donc c'est simple, il vous suffit juste d'aller dans la recherche, vous mettez or, vous mettez 250 et vous lancez la recherche. Alors les joueurs à 75, donc vous pouvez en acheter, mais au pire, si vous n'arrivez pas à les revendre plus cher, vous perdrez pas d'argent, mais vous en gagnerez pas. Donc je vous conseille en priorité, pardon, de vous concentrer sur les joueurs à partir de 76. Alors, les joueurs à partir de 76, dans tous les cas, au pire, vous gagnez 4 crédits. Alors, évidemment, c'est nul. Ça fait pas énormément. Mais sur une trentaine de joueurs, ça fait 120 crédits au pire. Ça, c'est vraiment au pire. En sachant que vous pouvez tomber sur des bonnes surprises. J'ai acheté un Tovin 300 que j'ai revendu 650. Donc ça peut très bien faire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit. L'avantage, c'est que si vous n'êtes pas trop sûr des différentes méthodes qui sont préconisées sur internet, au moins vous serez sûr de ne pas perdre d'argent. Donc c'est simple, vous misez 300, voilà, sur tous les joueurs qui sont au-delà de 75, en sachant qu'on va essayer de prioriser ceux qui sont avec la meilleure note possible, hein. Donc là, pour le moment, il n'y a que des 76. Mais bon, on peut avoir du 79, hein, en défense. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les calculs seront simples. On va acheter 30 joueurs à 300. Et on verra combien on arrive à se faire de crédit. Donc on va en avoir pour 9000 crédits. Sachant que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs qui font ça, parce que c'est de plus en plus difficile à trouver des joueurs à 79, à 78. Mais bon, c'est toujours plus que possible de les trouver. Donc, Alonso, Gritos. La plupart, c'est des joueurs qu'on connaît très mal, qui jouent dans des petit championnat, donc si vous en tombez, voilà. Stambouli par exemple se revend plutôt pas trop mal, pourtant qu'il y a vraiment des notes un peu dégueu. Tout ce qui est latéral droit, latéral gauche aussi, voilà, c'est sûr. En général, ça se revend assez bien, donc c'est assez compliqué. Je vais juste essayer de voir si on peut pas choper en Fender des choses comme ça, des meilleurs. Voilà, 78, ça c'est pas mal. Stambouli, j'achète encore. Tout ce qui est vent français, ça se vend plutôt bien. Alors Brahimi, alors ça aussi c'est pareil. Souvent vous allez pouvoir l'acheter 300 et vous allez le revendre très facilement à 450, 500. C'est vraiment un des joueurs qui se vend le mieux. Viviano aussi, c'est pas mal. Voilà, un petit gardien à 79, là, ce serait bien qu'on le gagne. Gomis, on va essayer, hein. Si on arrive à l'avoir à ce prix là, ça serait parfait. William, on s'en moque, il n'est pas de contrat, vu que quand on va le revendre, au pire, si on n'arrive pas à le revendre sans contrat, eh bien on le vendra en instantané et on fera de l'argent. J'ai déjà acheté mes 30 joueurs. Et ça y est, j'ai déjà acheté mes 30 joueurs. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo pour le moment pour voir si on a réussi à acheter déjà tous les joueurs et réussi à les obtenir. Mais je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. On revient dans l'online pour voir si on a réussi à acheter les joueurs qu'on voulait. Alors, donc on a réussi à en acheter 22 sur 30. Donc on a perdu quelques qui sont vendus un tout petit peu plus cher, 350, mais bon, le but pour nous c'est d'acheter que des joueurs le moins cher possible, donc c'est pas très grave. Donc on va enlever tout ce qu'on n'a pas vendu, qu'on n'a pas acheté en tout cas. On voit qu'on a réussi à avoir deux fois Stambouli, on a réussi à avoir Briani, bon, on n'a pas réussi à avoir Williams.
Et on a réussi à avoir Gomis qui s'est vendu juste un tout petit peu plus cher, donc ça prouve qu'on pourrait l'avoir, je pense, à 300 €. Pardon. Donc là, déjà, on sait qu'au minimum, on va gagner 22 fois 4, donc on va gagner au minimum 100 points. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en vente. Et on va les mettre tous en vente à 350. Quasiment. Voilà. Rémi, on ira voir à combien il est, si on arrive à avoir son prix, si on peut pas le mettre un tout petit peu plus cher. Le fait avec vous pour vous montrer ben, le temps que ça prend, hein, quand même, parce que bon, il faut partir du principe que ça prend quand même un minimum de temps de s'occuper de ça. Malheureusement, ça va pas vous rapporter énormément de fadis. L'avantage, c'est que c'est pour ceux qui, malgré tous les conseils qu'il y a d'achat ou vente, ont du mal quand même, ou gardent leur joueur assez longtemps et ne regardent pas le prix du marché. Le mieux, c'est d'avoir deux parties, une partie de votre argent que vous allez dépenser pour faire de l'achat-revente et une partie qui va vous servir pour acheter votre équipe. Essayez de bien dissocier les deux et de pas essayer de voir avec l'argent de votre équipe. Sinon vous risquez d'avoir certaines déconvenues en gardant par exemple un mois certains joueurs, vous allez quasiment perdre la moitié de l'argent que vous avez investi. Donc au pire, ben, vous partez de cette équipe-là, vous ne voulez pas la changer. Et vous le gardez le plus longtemps possible. Et au pire, ben, si vous perdez de l'argent, mais le temps que vous allez perdre de l'argent sur ces joueurs-là, vous aurez fait le nécessaire pour essayer d'en gagner en achat-revente avec la moitié. N'investissez pas tout dans votre équipe. Alors, ce que je vous montre, des fois, moi je le fais, mais vu que je garde une équipe au maximum, on va dire 3-4 jours, c'est même tout le maximum que ce que j'ai gardé. Le prix n'a pas énormément bougé, même si en ce moment ça bouge quand même assez entre le matin et le soir. Déjà, c'est assez impressionnant. Autre astuce, pensez à acheter les joueurs la nuit. Essayez de regarder les joueurs qui vont se finir entre minuit et 6 h du matin. Ces joueurs là peuvent être vraiment intéressants, en tout cas en enchères, parce que évidemment il y a beaucoup moins de joueurs qui suivent. Donc là vous allez pouvoir avoir des bonnes surprises. Donc essayez d'acheter un maximum de joueurs entre 0, entre minuit et 6 h. Stambouli. Peut-être un petit peu plus cher, Stambouli. Pareil. Alors Brahimi, je veux juste aller voir à combien on le trouve. Alors Brimi, à 400 on le trouve. Et bien, on va le mettre à 350, hein, pareil que les autres. Je pensais qu'on pourrait peut-être faire un peu plus sur Brimi, mais non, tant pis. En tout cas, c'est un joueur qu'on peut garder dans son effectif, hein. Quand on commence premier, franchement, à 300 crédits, c'est vraiment un très bon joueur. Pareil dans les buts de Viviano, c'est pas mal. Donc là, on a mis 22 joueurs avec 50 crédits de plus. Donc pas dur, hein. Ça fait 22 x 50, on est à peu près dans les 11 000 et on dans les 1100, et 1100 avec 5% de taxes, on reste quand même au-dessus de 1000 crédits. Donc en faisant cette technique là, on va avoir gagné 1000 crédits à peu près, parce que là on va, il y aura aucun problème pour vendre tous les joueurs qu'on a mis en vente.
Donc voilà, on va gagner à peu près 1000 crédits sur 30 joueurs en faisant ça plusieurs fois. Et ça permet d'être sûr de gagner au minimum 1000 crédits à chaque fois qu'on fait cet achat-revente sans aucun risque, parce qu'au pire du pire, il suffit juste de les revendre, les 76, là, les revendre 304 crédits, donc vous avez gagné quand même 4 crédits. C'est nul, c'est pas avec ça que vous allez devenir riche sur FIFA Foot, mais au pire, vous perdez pas d'argent. Parce que ce qui est quand même le plus désagréable dans la revente, c'est de voir son joueur ou perdre de l'argent en pensant avoir fait une bonne affaire et au final d'avoir fait une mauvaise affaire. Donc c'est une astuce simple pour ne plus perdre de crédit, en tout cas en achat-revente pour ceux qui débutent ou ceux qui ont du mal avec l'achat-revente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.